Parole. Parole pour dénoncer les fléaux de société. Parole pour apaiser les cœurs et les esprits. Parole, une émission de Soumaoro Alpha Yaya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à Parole, votre émission préférée que vous écoutez à travers la planète. Le sujet du jour, il s'agit du financement de Al-Bayan. Sinon, du mode de financement d'Al-Bayan. Radio comme télévision. Le cheikh Abou Bakari, paix à son âme, avait donné l'impulsion de la télévision. Nous prenons l'engagement de lancer cette opération en demandant à chaque musulman, à chaque musulmane, et à chaque musulman, petit, grand, jeune, adulte, vieux, tout le monde, partout où nous sommes, de nous aider à faire passer le message de l'islam dans les meilleures conditions, en faisant tout pour obtenir une télévision musulmane qui va diffuser ce message. J'avais lancé l'opération Tempête Verte, qui fut un succès phénoménal. Donc des fonds ont été levés eu égard au sens de solidarité de la communauté musulmane. Ainsi, la télévision Al-Bayan, qui fait notre fierté aujourd'hui, a pu voir le jour. Mais, car il y a un mais, les années qui vont suivre, la communauté sera toujours sollicitée par le même mode de financement. En d'autres termes, c'est ce que nous appelons « fisabilillah », c'est-à-dire « faire appel à la générosité ». C'est vrai, l'élan de solidarité est dans l'ADN du musulman. Le musulman est solidaire, tel que recommandé dans Al-Coran et prescrit par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donnez et vous allez recevoir. Bien entendu, la zakat fait partie des piliers de l'islam. Si vous donnez à la prospérité en retour, Dieu va vous rétribuer. Ici comme dans l'au-delà. Mais une télévision, il faut le savoir, coûte très, 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 très cher. Contrairement à la radio qui est très souple, la télévision coûte cher. Nous prenons pour le cas de la Côte d'Ivoire, la télévision ivoirienne, appelée RTI, Radio Diffusion Télévision Ivoirienne, qui est la chaîne de télévision publique financée par l'État de Côte d'Ivoire, donc par le contribuable. La télévision ivoirienne elle-même, qui est financée par l'État, qui bénéficie de la subvention de l'État, il y a la contribution à travers la redevance RTI de 2000 francs sur chaque facture. Alors, vous imaginez la télévision Al-Bayan, comment elle fait pour fonctionner? Moi, je tire mon chapeau, je n'ai pas de chapeau, à l'équipe dirigeante, au DG, à mon aîné Djigiba. Mais le grand frère Djigiba lui-même, il sait, étant moi-même modestement professionnel de la télévision, j'ai eu à apporter ma petite contribution quand la télévision devait voir le jour, aussi bien dans la conception que les conseils que nous avons prodigués
au jeune journaliste de la radio qui était anxieux comment faire la mutation entre la radio et la télévision. C'est vrai, c'était pas évident. Alors, nous pouvons féliciter l'équipe, les journalistes, les techniciens, les animateurs qui font la fierté de la radio Albayane et de la télévision. Depuis des années, depuis le décès du cheikh Aboubakary Fofana, la tempête verte continue. Si nous continuons sur cette voie, la télévision Albayane risque de disparaître. Astafurlaï, risque de disparaître dans la tempête. De quoi s'agit-il exactement? Chaque année, lorsque vous êtes dans des mosquées, dans les cérémonies, il n'est pas rare d'entendre, oui, pensez à Albayane, le financement d'Albayane, vis-à-vis de l'ail. Mais enfin, à un moment donné, vous savez, il ne faut pas exagérer. Lorsqu'on va continuer de solliciter trop les poches des contribuables, il va arriver un moment, les poches vont être asséchées. Notre religion est basée sur la vérité. Dieu est vérité. Est-ce que ce mode de fonctionnement informel peut continuer? Alors nous disons non. Au risque de nous répéter, nous pensons que l'avenir de notre belle radio et de notre belle télévision, leur avenir est reluisant. Et nous savons que nous pouvons compter sur l'équipe managériale menée des mains de maître par notre aîné, l'imam Abdallah Djigba Cissé, qui fera certainement preuve d'imagination pour mettre en place un mécanisme nouveau, moderne et dynamique à la disposition de Albayane Radio et Télévision pour le bonheur de la communauté musulmane, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Le coût de l'opération est élevé à plus d'un milliard, mais nous demandons aujourd'hui un milliard. Ainsi prend fin ce numéro de parole. Nous avons traité, bien entendu, de la problématique du financement de Albayane. Nous espérons avoir apporté notre modeste contribution au plein épanouissement de notre fleuron Albayane Radio et Albayane Télévision. Assalamu alaikum, ta'ala wa barakatuh. Parole. Parole pour dénoncer les fléaux de société. Parole pour apaiser les corps et les esprits. Parole, une émission de Soumaoro Alpha Yaya. Muhammadun qalbi wa ruhi.